Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow, aujourd'hui avec Yann et Marion. Salut. Salut. Nous allons vous faire découvrir le jeu Nunatak qui sort à la fin du mois de septembre, le 27 septembre si je ne me trompe pas. Très exactement ça. Nunatak, c'est un jeu dans lequel nous allons construire tous ensemble un temple de classe. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Ah oui, il y a une version solo, tiens. Eh oui. À partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Kane Klenko, illustré par... Quanchai Moria. Ah, c'est Quanchai Moria. Comme quoi. Qu'on connaît bien. Voilà, alors. On espère que vous allez tous très bien. Voilà, c'est la rentrée. Depuis quelques jours, quelques semaines, on rentre dans l'hiver. Il fait froid. Nous en Lorraine, ça y est, on y est. Là, on a pris nos clics et nos claques et nous sommes en Antarctique. Mm. Nous sommes en Antarctique, nous sommes dans le grand froid. Et nous allons, en fait, figurez-vous que là-bas, il y a des choses qui s'appellent les Nunatak. Les Nunatak, c'est ces blocs de glace qui sont tellement clac-clac. Là, on parle de termes scientifiques. Hein. Ils sont tellement clac-clac que la neige ne peut pas être dessus. Je comprends pas très bien pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme ça. Ce qui fait que ça ressemble à des espèces de montagnes un peu cubiques. Un peu comme des temples. Bon, ça c'est la vérité scientifique. Avec mes termes, qui sont très, très, très moyens. Moins scientifiques. Clairement. Là... l'auteur du jeu, il s'est amusé à inventer une histoire qui est fausse, hein, je pense. Hein. Mais en gros, il s'imagine que peut-être qu'en fait, c'est pas vraiment un truc de la nature. C'est peut-être bien des gens qui ont façonné des temples. Mm-hmm. Et c'est qui les façonneurs de temples aujourd'hui ? C'est nous. C'est nous. On va façonner des temples et donc on va créer. Un temple là, juste sous vos yeux. Il va arriver jusqu'à à peu près là. Ouais, c'est fou, vrai. Hein, on ne verra plus derrière. Comment on va faire? Oui, on ne verra plus. On va mettre nos petits blocs de glace au fur et à mesure. Et on va construire une espèce de pyramide. Tous ensemble. Mais ce n'est pas un jeu coopératif. Donc, c'est un jeu de construction et c'est surtout un jeu de collection Nunatak. Comment ça se passe? Nous allons avoir des points de victoire tout au long de la partie en posant nos blocs de glace. Et nous allons avoir aussi des points de victoire à la fin de la partie par rapport à nos collections, par rapport aux cartes que nous avons devant nous. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. C'est évident. Comment ça va se passer? À mon tour de jeu, eh bien, je vais avoir accès à cette rivière de cartes-là. Je vais pouvoir prendre une carte. Je ne peux prendre de carte que une carte seulement si elle a un symbole qui correspond à un symbole accessible sur le plateau de jeu, et surtout ce sera le symbole qui correspond à la tuile sur laquelle je vais poser mon bloc de glace. Donc par exemple, si j'ai envie de me poser ici, eh bien je peux le faire parce que il y a une carte qui correspond et je vais prendre cette carte ingénieur. Je vais la poser devant moi. Si j'avais déjà des cartes ingénieurs, je les aurais posées toutes ensemble parce que je serais très ordonnée. Voilà. Alors, comment ça se passe? Là, honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Notamment au niveau des blocs de glace. Si, dans le cas où il y avait déjà des blocs de glace... Par exemple, comme ceci. Si je pose mon bloc de glace ici, je forme un carré. Qu'est-ce que ça a comme intérêt de former un carré? Ça a comme intérêt qu'on va poser une nouvelle tuile pour un nouvel étage pour eh bien, continuer la construction du temple. Bref, quand je fais un carré, eh bien, je vais regarder... Oula, je vais avoir des points parce que celui qui a la majorité dans ce carré, la majorité de blocs de glace, remporte 5 points. Donc là, c'est évident, j'ai la majorité puisque j'en ai 2 contre 1 chacun. Donc je remporte 5 points. Et eux, ils sont à égalité, ils remportent 1 point chacun.
s'il n'y avait pas eu d'égalité, si par exemple Marion n'avait pas du tout été là, eh bien j'aurais eu la majorité parce que c'est moi qui suis à l'initiative du placement tout ça. De donc j'aurais eu 5 points et toi tu aurais eu 2 points. Ça marche. Ok. Et on aurait posé cette nouvelle tuile pour continuer la construction du temple. Le temple peut être construit un peu n'importe comment, c'est-à-dire qu'on peut ériger beaucoup plus d'un côté, moins de l'autre, mais à la fin, le temple sera entièrement construit. La partie prend fin à ce moment-là. Donc je peux gagner des points comme ça. Ça veut dire que je peux aussi gagner des points lorsque ce n'est pas mon tour de jeu. Je peux gagner des points également lorsque je pose justement un bloc de glace au-dessus, sur un étage supérieur au rez-de-chaussée. Si je pose, par exemple, mon cube ici, je vais remporter autant de points que j'ai de blocs juste en blocs juste en dessous de ce bloc. Donc là, je vais remporter 2 points. Ok ? Ok. Ok ? Mmh. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir remporter des points tout au long de la partie, à mon tour. Il va y avoir aussi un système, alors c'est pas vraiment des points que je vais gagner, mais si je remplis une ligne, par exemple si je fais ça, je finis de remplir cette ligne, je vais avancer de 1 la piste d'ingénierie. Nous avons donc 2 pistes. On a la piste qui court tout au long du plateau, qui est nos points de victoire. Qui sont nos points de victoire. Et on a chacun une petite piste devant nous. Ça, c'est Yann. Ça, c'est Marion. Et moi, ça, c'est ma piste. Ça, c'est notre ingénieur. C'est la piste d'ingénierie. La piste d'ingénierie me permet d'avoir des points, de scorer des points par rapport à mes cartes ingénieurs à la fin de la partie. Donc là, je vais vous expliquer tout ce qui se passe par rapport à ces cartes. Et après, je crois qu'on aura fait le tour. Donc, ingénieur. À la fin de la partie, je vais multiplier le nombre de cartes ingénieur que j'ai par le chiffre que j'ai atteint sur ma piste ingénieur, tout simplement. Nous avons les cartes. Je vais prendre plein de cartes. Ouais. Nous avons les cartes violettes. Les cartes violettes me permettent déjà d'avoir un petit effet lorsque je pose, enfin avant de poser mon bloc de glace sur un violet, eh bien je vais pouvoir le bouger. Je vais pouvoir le prendre et l'échanger avec n'importe quelle tuile du plateau. Est-ce que j'ai le droit de... Sur un autre étage ? Sur un autre étage. Il me semble. Je vais vérifier tout de suite. Donc ça, c'est un effet direct. Et ça va être très basique au niveau du scoring puisque je vais avoir 20 points si c'est moi qui ai le plus de cartes violettes à la fin de la partie. Le deuxième... Non. Les deux autres vont avoir 2 points par carte violette. Vont scorer 2 points par carte violette. Tu disais, quand tu poses une violette, tu peux déplacer un... Oui. N'importe quelle autre dalle. N'importe quelle autre dalle. Donc avant de poser mon bloc de glace, donc je prends ma carte violette parce que j'ai prévu de poser un bloc de glace sur une tuile violette, je peux, comme ça m'arrange, déplacer la tuile de 1. Tu veux. Je l'ai déplacée là parce que je me dis bon, ça peut être intéressant pour avoir des trucs à côté. Ce que Lorraine était en train de dire, c'est que s'il y a, hop, imaginez un truc ici et elle veut déplacer son violet, elle peut le placer là à la place de celui-là. Toi par exemple, ça serait intéressant parce que oui, tu en ferais pas points. Mal. Enfin voilà. Donc les violets, c'est en ça qu'ils sont intéressants. Donc celui qui a le plus de cartes violettes à la fin de la partie remporte 20 points. S'il y a une égalité, c'est 12 points chacun. Et tous les autres remportent 2 points par carte violette. On a des aides de jeu qui sont assez, assez claires. Qui détaillent tout. Ensuite, nous avons les bleus, les sculpteurs de glace. Eux, eh bien, en fonction de combien j'en ai, eh bien, je veux avoir de plus en plus de points. Et tu peux avoir jusqu'à 75 points si t'en as 10. Ouais. Ils n'ont pas d'effet dans la partie. C'est de la collection. Il n'y a pas d'effet dans la partie. Collection pure et dure. Nous avons les vertes, les artisans, sur lesquels on va retrouver des petits pictos. On va essayer de faire des collections. Je vais avoir des points pour chaque type d'outil de plus en plus similaire. Si, plus j'en ai, plus j'ai de points. Et en plus, donc il y a 3 outils différents. Pour chaque combinaison de 3 outils différents, je remporte 10 points.
Ensuite, nous avons les bêtes, les bestioles. Les bêtes, on va avoir des pictos. Donc, il peut y en avoir jusque 3. Je vais multiplier le nombre de symboles bêtes sur mes cartes par le nombre de cartes que je possède. Le carte bête. Évidemment. Ingénieur, je vous ai déjà expliqué, je multiplie le nombre de cartes ingénieur par ton niveau de piste, mon niveau de piste. Et enfin, nous avons les cartes ancêtres. Les cartes ancêtres me permettent de récupérer une carte ancêtre qu'il y a au-dessus de la rivière de cartes. Donc je peux choisir l'une des deux. On refile. Donc ça me donne des avantages pendant la partie. Pendant la partie ou en fin de partie, oui, ça dépend. Et tu la joues, là par exemple, tu vois, c'est marqué x1. Tu peux pas la jouer tout de suite quand tu viens de la prendre. Tu la joueras au tour prochain. Mais quand tu veux tu dans peux la jouer qu'une seule fois. Une fois dans ouais. Une fois un de tes tours. Tu peux en jouer plusieurs dans un de tes tours ? Il me semble. Okay. On va pouvoir vérifier, mais je crois que oui. Et comment elle score ? Elle score par... et ça me donne... Un point par carte. Par carte que tu as. Du symbole, tu sais, c'est ça. Là. Donc voilà. Et deux par carte que j'aurais pas utilisé. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ? Là aussi, tu as les 10 points par combinaison des. Exact, couleurs. Exact, exact. C'est vrai que si j'ai toutes les couleurs, ça me fait 10 points par lot. Et je crois que c'est tout. Dernière chose, ouais. Donc au fur et à mesure qu'on monte les étages, il va y avoir au niveau du quatrième étage, à un moment donné, on va pouvoir placer la pointe exact. Finalement du... Le final, le grand final. Du château, j'ai envie de dire, mais non, du temple. Et si on est en égalité, c'est celui qui aura le plus de ces blocs de glace autour des différents étages qui pourra le poser et donc marquer 7 points. Ouais. Alors, autour sur le troisième étage. En fait, partout, tout sur le les lignes extérieures. Ce qu'on va voir sur le. Okay. Donc, c'est plus intéressant d'être sur les extrémités. Ça marche. Et la partie s'arrête là, quand ouais. Le dernier est placé. Exactement. Ah, okay. Donc, on aura posé tous nos blocs de glace. Ok. À la fin de la partie, il se peut qu'il n'y ait plus de cartes qui correspondent aux pictos présents sur lesquels on peut se positionner. Si c'est le cas, eh bien, on fait fi de cette règle. Et on peut se positionner sur une carte, un emplacement qui ne correspond pas. Ce n'est pas très grave, mais par contre, ça rajoute la carte si à notre collection. Si on ne peut pas se placer. Par exemple, là, okay. Je n'ai pas, on n'a pas d'ingénieur, on n'a pas de comment il s'appelle, d'ancêtre. Mmh. Et ben, ça veut dire que là. Je vais commencer la partie. Je ne pourrai pas me positionner ni sur une tuile ingénieur, ni sur une tuile ancêtre. Mais tu peux te mettre sur les autres. Mais par contre, je peux me mettre sur toutes les autres. Mais tu as le droit de te mettre sur ingénieur et ancêtre. Non, je n'ai pas le droit. Ah, je n'ai pas le droit si parce que ce n'est pas disponible. Du ouais, mais... coup, la première joueuse, c'est celle qui a les mains les plus froides. Et comme c'est Lorraine qui est complètement congelée. En un seul mot. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est du tassiello. En un seul mot, mais qui en doutait, Marion ? Eh bien, je ne sais pas. Je préfère le dire. Incroyable. Alors, moi, j'ai envie de quoi ? De quoi j'ai envie ? J'ai envie de me mettre sur un sculpteur de glace. Bah oui, qu'elle dit. Forcément, hein. Et je vais me mettre là. Et il ne se passe rien parce que... Bah, il ne se passe rien, quoi. Pour l'instant. Et c'est à moi ? Oui. Ben moi je vais prendre un artisan et puis on verra bien. Parce que c'est ma première. Et je vais me mettre ici. Je vais commencer à... Enlever la majorité à Lorraine. Ouais, ouais. Mais comment ça ? Non, c'est pas elle la majorité. Ouh, il y en a des bêtes là qui arrivent, dis donc. Grave. Et on se mettrait là. Eh, mais attendez, c'est trop drôle. Parce que regardez cette bestiole. Dans un sens, on dirait un kiwi et dans l'autre, on dirait un rhino. C'est pas faux, ouais. Ah oui ! Ouais. Waouh ! C'est fascinant. Bravo, Moria. Illustrateur. Moi, je prends la grosse bête avec les deux avec bêtes. Avec les deux points. Et je me mets ici. Madame commence à faire un carré dans son coin. Oui, dans mon coin, toute seule peinard.
Je cherchais ces cartes qui ont l'air bien chaotiques pour éviter que ça se produise plus tard. Est-ce que tu souhaites tout de suite maintenant le bouger ou pas nécessairement? Non, c'est bon. Non, juste une place. Non, dessus. Mais je veux dire, tu peux. Enfin, tu peux bouger une tuile. J'ai pas envie. Ah, t'as pas envie. C'est celle-ci que je peux bouger. Enfin, une violette. Oui, une violette avec n'importe sur laquelle où tu te ailleurs. Positionnes. Sur laquelle je me positionne. Mm. Non, mais c'est bon, je vais faire ma vie. D'accord. Non, mais il a raison. Et à la fin de la partie, c'est la majorité sur les violets hein, qui remporte 20 points. Donc, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est là-bas? Alors, faveur de stabilité. Au moment du décompte final, gagnez 2 points pour chacun de vos blocs placés sur des dalles aux angles du temple. Ok, donc tous celles qui seront là-bas et au fur et à mesure. Ou alors, quand un carré de 2 par 2 est complété, gagnez 9 points si 3 blocs du carré vous appartiennent. Ouh, je vais prendre ça. Pourquoi je prends ça? Parce que je prends la carte là. Oui. D'accord. Est-ce que j'ai encore... J'ai oublié un petit accord, je crois. Je vais prendre ce petit artisan. Parce que je sens bien qu'il y a un petit endroit où me positionner. Mmh. Ah, le coucou. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais partir sur l'RG parce que du coup j'ai double intérêt à le faire. Parce que t'as fini. Exactement. Qu'est-ce qu'il est malin! Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort! J'avais prévu depuis 5 tours. J'ai bien envie de. Raconte-nous tout. Prendre une bête de somme afin de poser un petit. Je tombe. Allez, ça va donner des points à Yann. Alors, ça donne des points à mais Yann. C'est hallucinant. Donc Yann, tu avances de 5 parce que tu es en majorité sur ce carré. Ouais. Et toi, tu te fais 2 points. Et moi, je gagne 2 points. Et exactement. Lorraine, et qui en a 0, c'est Bibi. Super. Et en place. Merci. Hein. C'est un ancêtre qui vient. Merci. Hein. Super, génial. Ancêtre qu'on ne peut pas prendre parce que ce n'est pas dispo. Il n'y en a pas. Parce que moi, je me serais bien positionnée pour avoir un point et que, en tout cas, Yann n'ait pas 2 points, mais bon. C'est pas grave. On a dit c'est pas d'alliance grave. Aujourd'hui sur les jeux. Ah, mais pas d'alliance, moi je m'allie à personne, je suis contre vous tous. Enfin, moi, je peux m'allier l'une d'entre vous si vous voulez. Ouais, oui, d'accord. Carrément. Attendez, les petits potes à la compote. Ouh. Je récupère 5 points. Parce et que nous, j'ai complété un carré. Et on a vous un, point, un chacun. Point chacun. Parce que je suis bien sympa. Et je te laisse le soin de mettre. Oh. Si tu le souhaites. Zoupeli, zoupela. Il n'y a pas de petit ancêtre. Eh non, hein, c'est dommage. Il hein. n'y a pas de petite carte violette. Ha. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose. Sur quoi ça part? On va prendre ça. Ça part. Ah, quoique là c'est pas mal aussi. En vrai, là c'est pas mal pour plus tard. Non, c'est bon. On va prendre ça. Hop, petite collecte. Et je vais me mettre. Là, oula, ouais. Oula. Ah, je peux me mettre dessus pour gagner et un point. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Allez, un point pour Yann. Un point pour Yann. Pourquoi un point? Parce qu'en effet, il a un bloc de renfort juste voilà. En dessous. C'est toujours pas une petite carte en fait. Ouais. Oui, mais ça pourrait être sympa hein, quand c'est un jeu de collection, mais c'est aussi un gros jeu d'opportuniste. Hein, totalement. Oui. Voilà. C'est tout vraiment. Et je vais me placer. Mais oh je donne... là 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 là. C'est gratuit, Lorraine, profite-en. J'ai envie de me placer, je vais me placer là. Ouh. Bah, en même temps, j'aime bien. Ok, non, je vais prendre la petite bête. Ah bah double. Ouais. La double bête. Pour le moment, t'as 4 x 2, t'as 6 points là. Question garde, je me mets là. C'est à qui quoi? Vous avez fait quoi? Moi, Lorraine s'est posée sur double bête de et je me suis posée là dans un petit coin toute seule, peinard. Peinardo. 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 Ouais. Parfait, on connaît. En coco. En coco. Mmh. Ok, je vais faire un bidule. Fais ton bidule. Ouais, je vais prendre ça. Une carte violette parce qu'on aime bien les effets chaotiques.
Je vais me positionner ici et je vais l'intervertir avec celle-ci là, l'ancêtre. De toute façon, il n'y en a pas d'ancêtre. Voilà. Hop. Comme ça, je vais me positionner là. Je gagne une majo de 5 points. Ah ouais. Eh, moi, je gagne 2 points. Donc 7. Attends. Tu gagnes. Là, tu as complété 2 carrés. Ah oui, là, c'est encore moins majo parce que c'est moi qui m'y mets. C'est ça que tu as dit. Donc 10 points. Ah non, apparemment. 17. 5 points là et 5 points là. Exactement. Donc tu as pris tes 10 points et tu nous as augmenté, non ? Bien sûr. Vous avez pris vos 2 points, ça se voit. Ok, on va faire confiance en Yann, mais... Et tu peux du coup placer deux Ouais, place des tuiles, là. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Je les place ou je les dévoile au dernier moment, c'est pareil ? C'est pareil. Allez. Oui, c'est aléatoire. Quand personne confirme que... que t'as mis le point. D'accord, ça suit le chat. Du coup... J'aimerais aller prendre une scie à perche. Voilà, j'invente pas, c'est marqué dessus. Avec un petit artisan. Et je vais me placer. Et ben moi aussi, je vais te copier. Je vais prendre la scie à perche là. Et je vais me poser. Ah, allez-y, aidez-vous là. Je vous vois. Hein. Quoi ? À vous donner une ligne. Ah oui, mais ah, d'ailleurs, t'as fait une ligne. Ouais. Bon, après, j'ai pas d'ingénieur, donc je m'en fous un peu. C'est vrai. Mais si tu veux compléter une ligne, tu peux. Hein. C'est ton avis. En plus, c'est ingénieur, donc c'est tout bénef. C'est vrai ça. T'as bien raison, Lorraine. C'est le moment pour toi de compléter une ligne. Bah, si tu gagnes, ça sera grâce ouais, à moi, puisque je t'aurais conseillé, quoi. Pour l'ancêtre, il ne faut pas que ce soit Marion qui le chope, là, clairement. Pourquoi ? Parce que ça fait 2 points par Moi, j'ai pas trop regardé les cartes ancêtres. Les dalles angles du temple. Il y en a 15 au lieu de 10 pour chaque combinaison de 10. Ah, j'ai oublié ça. Hein. Non, mais ça me va bien, l'ancêtre, il est bien. L'ingénieur que tu viens L'ingénieur, prendre. Pardon. Ok. L'ingé, effectivement, il vient là. Et donc, j'augmente de 1. Voilà, ouh, parce que tu as fait la ligne, en effet. Vas-y donc. J'ai quand même envie de me mettre là. Mais c'est vrai que l'ancêtre, c'est quand même pas mal. Du coup, bah, moi, j'aime bien la faveur des anciens. Hein. Qu'est-ce que vous voulez hein. Je vais me poser... Là. Et je vais récupérer. Je prends quoi ? Je prends 15 points ou 2 points par bloc ? Je vais vous donner plein de points si je veux. Pas plus. En fait, tu vas t'en faire 5, tu vas m'en donner 2, tu vas t'en faire 10 comme moi. Ouais. Je vais t'en donner. Ouais. Tu vas m'en donner 3. Mais il vaut mieux que je fasse ça quand même. Et Marion 5. Et tu vas prendre 10. Je pense que c'est le best move. Allez, je prends cette version. C'est vrai que je suis très bête. Ah ouais, c'est clair. Du coup, je vais me poser celle-là. Attention, on va en prendre plein les yeux. Nous avons ici 5 points pour moi. Vas-y. 2 pour moi. Ici, 5 points pour moi. 2 pour Yann. Et le dernier, 5 points pour Marion. Ici, 5 points pour Marion et 2 points pour moi. Non, poche. Ah oui, parce que. Eh non, parce que c'est moi. Eh oui, moi la queen. J'ai pas pensé à ce petit détail. Oh, pardon. Oh, c'est moi. Un ancêtre. Bleu-jaune. C'est pas mal. Est-ce que ça compte dans les collections de symboles ? Ouais. Oui. Ouais. Non, mais ça me fascine que ce soit un kiwi-rhino. Un kiwi-rhino. Qu'est-ce que nous faisons ? Ah, je sais. I know. Je sais. Je vais prendre ça, la main d'œuvre. Et je vais faire un déplacement d'une tuile. Ah, tu vas déplacer celui-là. Bah, du coup, forcément, une violette. Donc, soit celle-ci avec une autre, soit celle-ci et une autre, soit celle-ci et une autre. Oui, soit sans déplacer particulièrement, t'as juste à se placer là et t'as 3 points. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de changer celle-ci avec celle-ci. Oh là là.
Comme ça, je me fais un petit point. Tout de suite, 2 points. Ah, mais moi, je me fais 5 points. Lorraine a 5 points. Let's go. Et toi, t'es, comme t'es le joueur actif, tu as 2 points. Et j'ai surtout un petit truc là. Et exactement, parce que t'avances sur la ligne. Et tu peux mettre l'étage supplémentaire. Oui, c'est la carte que je voulais. Quelle chance. T'as vu ça? Je prends une petite pioche. Alors, c'est surtout parce que c'est un artisan. Parce que ça me permet de venir ici. Wow. Et comme j'ai un carré de 4, je marque 12 points. Mais je ne l'ai même pas vu venir, celle-ci. Ça, j'aime bien beaucoup. Coucou. Wow, incroyable. Quelle move. Je la mets là, je l'ai utilisée. What a move, hein. Grave. Voilà, je vais pouvoir poser ceci. Mais regarde, elle a gâché 4 couleurs au centre. Mmh. Ah. Alors que regarde comme il y a plein de orange autour. Bah oui, bien sûr, mais ça te fera que 7 points. C'est vrai ça. Je mise tout là-dessus. Alors, est-ce que j'irai pas me faire 3 points? Est-ce qu'il y a des cartes intéressantes pour les ancêtres là? Ici. Alors, t'as la fameuse qui te fait 2 points par bloc aux angles des différents étages. Ou alors, choisissez l'une des cartes du cortège, ici, et placez-y un de vos blocs de glace pour la réserver. Ouais, ok. Ouh, vous devrez la prendre lors de vos prochains tours. Non, si j'ai vous pas envie de réserver, ah, il y aura toujours un truc qui m'intéresse. Revoir la carte que t'as jouée, l'ancêtre. L'ancêtre que j'ai joué. Quand un carré de 2x2 est complété, un carré de 2x2 est complété, gagnez 9 si vous avez 3 blocs dans ce pack, ou 4 si les 12, si les 4 blocs vous appartiennent. Hum. 9 ou 12 si les cartes blocs t'appartiennent. Pardon, j'ai été trop vite. C'est parce que j'ai marqué 12 points, ça vous fait peur. Donc moi j'ai pris l'ancêtre. Tu gagnes 3 points. Je me pose ici, je gagne 3 points. 1, 2, 3. Et je vais prendre la faveur de stabilité. Dankeschön. Surtout là où tu te places, c'est bien en plus. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. Oh, trop bien. La faveur qui vient d'être mise, c'est la faveur de découverte. Avant de prendre l'une des cartes du cortège, ajoutez-y jusqu'à 3 cartes. Vous ne recompléterez le cortège que quand il n'y aura moins que 4 cartes. Ouais, on ne peut pas les récupérer, ces cartes. Alors, Zara, elle a une piste de réponse pour la raison des petites croix. Ça permet de voir la couleur des blocs dessous au centre. Ça y est, là, les petites croix. Bah, il y a eu besoin. Bien joué. Mais au premier niveau, on ne l'avait pas... Pas mal, hein. Trop merci. Forte. Allez, je vais mettre là. D'accord. Ça, je vais faire un point. Qu'est-ce plus qu'elle 5. Est forte. Puis ça toi, permet de... Allez, on se suit. Et moi, alors, dans toute cette histoire... Zéro pour Lolo. Tu peux mettre un petit bloc. Et une carte. Ouh. Là, j'oublie toujours mettre les petits blocs. C'est vrai que moi j'aime bien les petites cartes en tête là. Sauf que les sculpteurs c'est pas mal. Et il y en a là-haut. Mm-hmm. Mais. Mm-hmm. J'ai 4 points tout vu là. Mm-hmm. Ah ouais. En me plaçant ici. Non mais quand... comment on l'a laissé faire ça? Je sais pas, mais pour le moment je les points. Je moi, les ai, je honnêtement, les ai. Honnêtement, j'ai pas. Attends, 1, 2, 3, 4. On est trop gentils. Là, fais attention. Après, c'est pas votre première partie. Moi, non. Mais moi, c'est ma toute première partie. Mmh. Allez, moi, je prends donc, le sculpteur. Si Marion de glace. Gagne, on saura pourquoi. Oh, oui, bien sûr, très exactement. De toute façon, t'as pas le droit de gagner, tu le sais aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Parce que ça a été dit avant, j'ai entendu. Ah, mais moi, j'ai pas fait partie de cette discussion, hein, donc je fais qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Quoi, un sculpteur? Je vais mettre là, ça va me faire deux points. Et ce sera 2 points en moins. Enfin, que Yann n'aura pas. Eh ben, oh c'est déjà là. Dernier, ça moi, y est. Je suis très agressive. Hein. C'est tout moi. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai bien envie d'aller chercher un ancêtre, j'en ai jamais vu. J'ai pas trop de points sur la fin de la partie, là, moi. Hein. Je suis en train de voir, au niveau des scorings, c'est un peu nul. Je sais. L'une des cartes du cortège est placée-y un de vos blocs de glace pour la réserver. Vous devrez la prendre lors de votre prochain tour. C'est quand même pas GG, hein. Et il y a moyen d'enlever les deux cartes ou là on se les tartine pour jusqu'à la fin si on les prend pas. Enfin quoi que non. Enfin je crois qu'elles restent. Ouais c'est ça. J'ai pas du tout d'idée. T'es pas content, t'es pas satisfait. Non. Bah il va falloir se satisfaire de ça, hein, Yann. Ah. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie.
Bah écoute, je vais faire... Oh, non, j'aime pas. Je suis ennuyé. Quel dommage, Yann est ennuyé, Yann est mécontent. Je crois que j'ai... C'est moi qui ai mis fin à la ligne, là. Ah, pétard. Quelle ligne? Celle-là. Ils l'ont dit tout à l'heure. Ils ont dit à quelqu'un... Mais c'est ils ont dit à quelqu'un et c'est... toi tu l'as pas dit. C'est moi, c'est moi le quelqu'un. Moi je vous disais, moi je fais à chaque fois, je monte. C'est moi le quelqu'un. Bon, c'est infernal. Il est infernal. Qui c'est qui a dit ça? C'est Julien qui a dit ça. Merci Julien pour Marion. Encore allez, merci. On va continuer avec ça. Allez. Bah non mais t'es en train de scorer là. Hein. Ouais mais bah, pour si, l'instant j'ai 12 points. Ouais. C'est pas ouf, ouf, ouf. C'est pas ouf. Alors, comment je fais pour vous donner le moins de points possible? Je vais me mettre là. Là, j'en gagne 2. Et puis bah, voilà. C'est bien de gagner 2 points, je trouve. Ah. C'est vrai qu'il y a des points à gagner. Mais j'ai pas envie de prendre les trucs juste pour... Ah. Je peux faire ça. Je peux prendre celle... Ah, j'ai envie de prendre la carte ingénieur. Non, pas ingénieur, ancêtre, pardon. Prends la carte ancêtre. Plus que 9 cubes. Enfin, nous n'attaque. Ouais, ouais, bah à partir du moment où on commence à mettre les étages, ça va aller un peu beaucoup plus rapidement. Je vais prendre... C'est pas beaucoup, hein, la carte ancêtre, finalement. C'est un point. Pour les symboles. Ouais. Donc, je vais prendre la main d'œuvre de manière à échanger celui-là, oups, avec celui-ci. Moi, je suis pas d'accord, la régie aide. C'est quoi, c'est ça, ouais, jaune. C'est là, clair. Ah oui, j'aurais dû mettre là. Eh ben non. Mais non, j'ai pas de nouveau 12 points. Mais c'est trop tard. J'aurais eu 5 points en faisant ça, c'est vrai. J'ai rien dit, c'est mais vrai. J'avais vu. C'était nul, ok. Bah tant pis, vous avez tous vu. Donc j'ai que 2 points. Parfait, c'est bien. Très bien, Marion, c'est bien la meilleure. Allez, prends ta petite bête. Ouah, wow, il y a 3 bestioles. Et je complète une ligne, donc c'est quelqu'un qui ne complétera pas cette ligne. Ça me fait que 1 point, mais ça fait... Tu n'auras pas 2 points. C'est pas ce que je préfère au monde, mais bon. Attends, ça peut être bon. Est-ce que je veux faire ça? Après, c'est intéressant parce que c'est potentiellement des points... Je sais pas. C'est beaucoup des points, là, quand même. Hein. Grave. T'as avancé de 1. Donc, j'ai avancé de 1 ici et j'avance de 1 point parce que t'as un bloc en tout. Là. Ça me semble pas si fou, hein. Oui, les lignes, ça fonctionne aussi sur les étages, sauf sur le dernier étage. Exact. Le quatrième étage. Ok, right. Je sais ce que je vais faire. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Raconte-nous. Je vais prendre celle-ci, l'ancêtre. Ah, c'est bien, parce que moi, les cartes ancêtres, elles m'intéressaient pas. Si, juste par rapport à ce que tu prends, ici, tu scores 1 point. Sur ton ingénieur en plus. Ouais, je vois. Oui, donc et là, t'as pour le moment qu'une seule bête. Ouais. C'est j'avoue, juste, moi j'ai vraiment. C'est pas terrible, moi. Ouais, c'est pas grave. Une bête, c'est bien. C'est pour empêcher Lorraine d'en faire trop. Pas de problème. Regarde tout ce qu'elle a comme bête. Il va falloir que t'ailles chercher une des cartes très bêtes. Je prends celle-ci. Donc c'est pas immédiat, t'as dit. Hein. Non, ça sera à un moment donné pendant parce que ton c'est tour. À la fin de mon tour que j'ai récupéré. C'est une carte qui dit « Je vais laisser l'une des cartes du cortège et placer ici l'un de vos blocs de glace pour la réserver. Vous devrez la prendre lors de vos prochains tours si vous le pouvez. » Voilà. Oui. Et t'as posé ton bloc ? Là ? J'ai rien posé. Ah, t'as rien posé. Ah, voilà. Okay. J'ai le droit à là ou là ? Oui. Oui. Oh, je vais me mettre... Ah bah je vais me mettre là, c'est pas mal là. Bah ouais, c'est pas mal. Du coup, je gagne 2 points. Et voilà, c'est tout. Ok. C'est quoi la nouvelle carte? Avancez immédiatement votre cube de 3 cases sur votre piste d'ingénierie. Ah! Ah! Eh! Ça, c'est pour rien. C'est pas mal, hein? Ouais, chacun son truc.
On a dit qu'elle était où l'autre carte en fait là-bas? C'est nul. Mais oui. En même temps. C'est vrai qu'elle est nulle. Hein. Allez. Les lignes, ça fonctionne aussi sur les étages. Oui, ça fonctionne aussi sur les étages. Et heureusement, parce que sinon. On l'a dit. Oui, mais je on re-répond. Et heureusement, parce que vu comment on avance, comment on peine à avancer là, moi j'ai 3 points, je joue que ça depuis le début. J'ai l'impression que je suis pas parti sur la bonne strat. Et du coup, je ne jouerai jamais ingénieur. Et ça, pour le coup, c'est de l'instant. Donc, 1, 2, 3. Attends, t'as 4 cartes. T'as 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 4. T'as déjà 36 points. Ouais, oui, vas-y, il est pour toi celui-là. Moi, je fais sans ça. Soucier du regardez du plateau. Les petits potes à la compote, là. Je prends ingénieur. Je me positionne là. Qu'est-ce que je fais? Je complète une ligne. Bam, ça combote. Je complète. Ouais. Plein ici, de cartes. 5 points. Donc ici, j'ai 5 points. Moi, j'ai 2 points. Pour Bibiche. Et moi, je suis dedans, là. Non. Attends, 2 points. Attends, on va juste poser le truc pour se souvenir qu'on l'a fait. Exactement, exactement. J'ai 5 points ici. Ici. Et on a 1 point chacun. Attends. Et vous avez 1 point. Il n'y a pas un problème? Ça passe sur des 3 là? C'est pas étage 3 ça, 3? Non. Ça veut dire quoi, 1, 2, 3, 2, 3, 4? C'est, je sais c'est pas. La, c'est le, dans la façon dont les cartes arrivent. Ok. Mais ici j'ai 5 points. Voilà. Et toi, t'as 2 points. Mm-hmm. Et ici, t'as encore 5 points. Putain, je te donne plein de points là. Ça va faire une heure, et toi, 2. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit, moi, je vous donne tant de temps, je me casse. Donc, je pense qu'il est temps que j'y aille. Hein. Et donc, au nous choix, découvrons là, ouais. Des tuiles sur lesquelles on a le choix. Et c'est pour ça qu'elles arrivent plus tard dans la partie, parce que c'est il y a moins de tu captes quoi. Attendez, est-ce qu'il se passe pas un truc? Non, on a tout fait. Non, il a tout fait. Ok, ça marche. C'est bon. Oui, c'est toi. Parfait. <C'est bon. rire> bah écoute, je vais prendre la petite artisan là pour la mettre ici. Comme ça, je me fais un point en ingénieur. Et je gagne 5... C'est là que j'ai posé. Ouais. Je gagne 5 points et Marion 2. Je vais mettre un petit bidule dessus. Tu l'as posé ici? Ouais. Est-ce que tu as marqué tes 3 points là? Non. Alors merci. Tu peux marquer tes 3 points là. C'est très important en plus. Mmh. Je vais rattraper mon retard. Mmh, ensuite ici, Lorraine a gagne 5 points. 5. Oui. Et toi, 2. Et tu peux poser. Et je pose ça. Coucou Max, bienvenue. Et voilà. Max le poulpe. Et ben moi j'ai vu ça. Attends. Si je prends ça. Ça me permet de me mettre ici. Donc en dessous j'ai 1, 2, 3 blocs. Ici je suis en majorité, j'ai 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et Lorraine a 2 points. Tu t'en souviendras, hein, que j'ai donné des points. Vous m'oubliez là, oh, ça va, je t'en ai donné 10 il y a un tour. Quoi. C'est bizarre, j'entends pas trop mon nom dans les décomptes. Bah écoute, faut se placer au bon emplacement. C'est ta faute, hein, je pense. Est-ce que tu peux refiler, s'il te plaît? Pardon. Oh, c'est pas ce que je voulais. Ah, mais ça peut être ce que je veux finalement, après tout. Parce qu'en fait, ça me donne envie de faire un petit truc rien qu'à moi. Tu peux faire un petit truc rien qu'à toi. Mais il n'y a pas de sculpteur. Oui, mais en fait. Ah, tu peux inverser tu peux prendre une main d'œuvre. Tuiles, là. Ouais. Tu peux faire ça. Tu as même celle-là encore si tu veux. Après, je suis plus intéressée par les sculpteurs que par les mains d'œuvre parce que j'en ai pas des mains d'œuvre. Mais bon, ça me donnera 2 petits points quoi. Attendez, je réfléchis. Oh Marion, t'essayes pas de me faire négliger. Sinon, il y a artisan, j'aime bien les artisans. Pas du tout. Ça me fait 3 points. Je te vois. Hein. Tu peux prendre la carte main d'œuvre, s'il te plaît. Ah bah non, c'est toi après. À toi c'est de jouer. Pas que 12 points, moi. Je 20 et toi 0. J'aurais pas 0. Si, je vais tenter le main d'œuvre. Ah mais je non. Je trouve ça fun. Je trouve ça rigolo. Donc j'ai. Oh, regarde ce qui arrive. Oh, c'est pas possible ça. Je change ça avec ça. Ok. Oh, c'est malin ça, dis donc. Je me mets ici. Donc 2 points. Donc, par tes blocs en dessous. Je complète une ligne.
C'est vrai. J'ai 2 points en dessous. Attends. 1, 2. Et là, t'as 5 points. 1, 2. Attends. 5. Non. Quoi parce... Ah oui, si, bien sûr. Si. Et tu places une tuile dessus. Et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, madame. Moi, j'ai 41, t'as 58. C'est attends, parce que quand elle va scorer, là, ça va faire mal. Il y a des petits 200. Enfin, tu peux te prendre. Ouais, c'est vrai, ça peut aller jusqu'à 200 points. Mm-hmm. On verra la prochaine. Hein. On verra combien de points on fait. Allore. Allore. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il va faire, Yann? Il y a encore le rez-de-chaussée là à construire. Hein. C'est vrai. On a un peu délaissé ce rez-de-chaussée là. Bah ouais, parce c'est que vous êtes ça. Là que pour les points. Tout pour les points. Rien pour l'archi. Vas-y, je vais mettre là. Hey hey, ça hurle de... au côté gauche, au côté droit. Ok, j'ai le droit quand même un point. Ouais. Et tu avances ta ligne d'ingénierie. Ah. Déjà, place-toi. Bah, pose ton petit jeton, là. Donc, en effet, en plaçant, il complète la ligne. Et il nous fait un petit 5 voilà. points pour toi, 2 points pour moi. Ah, 5 points pour moi, c'est vrai. Bah, oui. Et un kiwi apparaît. Un kiwi. Ouh. Alors là, on découvre des nouvelles cartes parce qu'on va plus loin dans la partie. Donc c'est soit main d'œuvre, soit ingénieur. C'est ça. À la tu choisis où est-ce que tu le places du joueur. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah ça m'embête parce qu'il n'y a pas du tout qu'est-ce que je veux. Oh. Mais ça peut être sympa. C'est encore plus nul que ce que je pensais la piste ingénierie parce qu'en plus c'est pas chaque case que. Mais oui, là pour le moment t'as 4 fois combien de cartes t'as? C'est des paliers à atteindre. Oui, c'est des paliers, oui. Eh oui. Donc là, moi, je pense que mon 3, ça suffira. Hein. Je m'en fous un peu. Quoique. Oh là là. Si je fais ça, ça te donne des points. Si tu fais quoi? Ça donne des points à qui? Si je me place sur une des deux trucs là, ça donne des points à toi, parce que tu te mettras forcément sur l'autre. Mais non. Merci. Bah, mets-toi au-dessus alors, fais-toi des points. Bah attends, je regarde. Regarde, tu peux te mettre là, ça te fait 3 points, quoi. C'est ce que tu vas faire, c'est ça? De quoi? À me mettre en là? Ouais, mais ça aura que 2 trucs centrales. Alors que si je me mets là, ça fait 5 points plus 1. Et ça me donne 2 points. Ah oui. Ce qui est bien aussi. C'est vrai que c'est bien. Pourquoi ça te donne 2 points? Ah oui, là. Oui, très exactement. Donc j'ai 1 point. Yann, il se contente des petites choses. De toute façon. Hein. Parce que j'ai un socle en dessous, plus 5 points. Oui. Et moi j'ai 2. Parce que t'es majo. Moi j'ai 2. Et toi t'as avancé 2. C'est ouais. Majo. Petit sculpteur. Est-ce qu'on a vu que j'avais bien avancé 2? Vous avez vu vous? On a bien vu. Ouais. Ouais, ça je peux te le dire qu'on l'a vu. Pardon. On l'a vu. Allez, moi je prends la bête de somme s'il vous plaît. La fille. Et je me positionne ici, je complète une ligne. Je m'en fous, moi, de l'ingénierie, mais c'est mais une ligne que les autres ne compléteront pas. Merci, moi, je suis d'un égoïsme et je me mets dans un angle et je me mets sur le côté. Ça, c'est strat. Là, c'est meilleur move pour toi, Yann. Je rappelle que c'est oui, une tuile. J'ai bien ouais, vu. Mais toi, là, ça te fait 2 points oui, d'ingénierie. Vu, Bah, t'as vu. J'ai vu que je complétais 2 lignes. Oui, ça, bah, fais-le. Ça. Hop. Ah oui, il faut que je mette donc, d'abord. En effet, il complète bien la ligne et la colonne. Il a avancé de 2. Et ensuite, tu as 5. Un cube. 5 points partout, 2, 3, là. 1, 4, 2. 5. Ici, 5 points de nouveau. Allez, 1, 2, et là, on a chacun. 4, chacune. 5. Paf. Et je rattrape le cortège. Tenez, parce que monsieur ça, Yann. C'est une piste de cortège. Merci. Tu t'en sors très bien, Yann. Ah bah merci. Hein. Ah bah merci. Hop. Et hop. T'as monté de 2 tes trucs. Yes. Ouais, ouais. C'est le premier truc qu'il a fait. Ouais, non, ça. Ouh. Mais ça m'embête. Ça y est, on a notre rez-de-chaussée de fait, les gars. Bravo à tous. Je vais prendre ceci. Et je vais me placer. Purée, qu'est-ce que je vais faire? Son kiki non ça. Ben, je mets là du coup. 3 points. 1, 2, 3. Ouais ouais, elles mettent beaucoup. Les filles, elles s'aident entre elles, oui. Je vois. Hein.
Non, ça de zéro. On fait ce qu'on peut au moment où on peut. Ok, les gars. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. D'accord, ça marche. Super. On comprend pourquoi on gagne le sommet là, quand on est majoritaire sur les... Ce sera Lorraine ou toi hein. Oui, c'est Lorraine pour l'instant, mais on comprend. Alors. C'est parce que quand tu te mets sur les côtés, t'as beaucoup moins de chances de scorer. Oui. Quand... Voilà. Moi, donc, je prends l'un ça. Dans l'autre, ça équilibre. Et tu déplaces quoi? Je déplace ça, là. Exactement. Là, tu captes ce que je voulais faire. Comme ça, je me mets dans mon petit tank. Je me fais tous mes points. Allez, 4 points. Let's go, les 4 points. Et en plus, je me mets toujours bien sur... Sur les angles. Sur les angles. T'avais pas récupéré le truc des angles, là? Si, bien sûr. Ok. Bien d'accord. Sûr. Ok, ok. Très bien. Vous êtes dans la merde. Non. Je vais vous terrasser. Ha. C'est clair. Non, je dis ça, mais Marion en tsoum tsoum, là... Oh, arrête hein. Moi, à la fin, les points, je les verrai beaucoup moins que toi. Ah bon? Qu'est-ce que tu dis? Non, déjà là t'as un trio, là t'as 10 points. Ouais, j'ai juste 10 points quoi. Enfin, j'ai bah, 10 points, t'as 10 plus, points plus 3 points chacun. Non, c'est non, un... pardon, bah 0. Je... Par contre, là t'as 2, 4, 6, 8, 9 fois 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, 45 points, tranquille. Ouh, on adore. Bien joué, Yann. Voilà. On a marre de lui laisser les bêtes là. Allez, 2 points pour moi. Ah oui, mais le problème, c'est que je peux pas prendre ça, ça m'intéresse pas, c'est pas celui que je voulais. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, est-ce que je veux 10 points? Moi, je voulais sculpteur. Mm-hmm. Toi, tu vas te mettre là encore? Oui, mais t'avais déjà joué, explique-moi ça, non? Ah non, il est pas sorti. C'est pas sorti, Yann. Ouais, tu mais diffuses des mauvaises informes, des fake news. 1, 2. 1, 2. Ici, j'ai 5 points. Lorraine, tu as 2. 2 points. Et je vais poser. Tu vas poser. Ok. Moi, je vais prendre contre tout attente. Ah ouais. Cette corde. Parce qu'il y a aussi un petit contre angle. Réellement tout un compte. Allez. Et je me fais 3 points. Exactement. S'il vous plaît. 1, 2, 3. Plus tu fais un plus cube. Je fais 5 points pour moi. 2 points et 5 points pour toi. Et t'augmentes ta piste même cinq, si tu t'en moques. Et toi, 2. Ah oui, c'est vrai. Bah, je m'en moque. Pas tant que ça. Modérément. Tu l'as dit tout à l'heure. Puis-je avoir. Oui, une tuile. Voilà, c'est ça. Mes excuses. C'est ça, c'est ça. Avec un petit kiwi. Mais il n'y a plus que 3 tours, les gars. Pour toi. Moi, enfin, moi c'est 4. 4 encore pour nous. Alors, moi. C'est le moment ou jamais, Yann. Ouais. T'as combien en majorité au tour, là? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Lorraine, elle a 3. 7, 8, 9, 10, 11. Et Lorraine, elle a 1. Moi, je suis majoritaire, 3, je pense. 4, j'ai 5, presque 6, joué 7, que sur le côté. 8, 9, 10, 11, 12. Hé, hey, Yann, ça se défend encore. Hein. Ouais, pour Yann, 7 ça points, se défend. On se bat. Allez, je prends les enfants. Vas-y, bats-toi, mais moi, je suis super costaude. Bam! Fous-toi là. Bam, bam. Sans bam. Vouloir te commander. C'est juste qu'au moins, elle n'est pas bam, dans bam. Un angle, ça lui fait 2 points après. Ne te mets pas là! Attendez. Elle a 2 points quand elle est dans les angles. Moi, c'est oui, tout oui, ce que oui. Je dis. 2 points, quand on peut j'oublie s'en faire 45. J'oublie pas que t'es 45, okay. Je sais. Ouh. Alors. Je vais me mettre là. Super. Ça donc. Où? Ici. D'accord. Je gagne 1 point. Ouais. Tu gagnes 1 point. Je suis où? Là. C'est exact. Et ensuite, je vais utiliser mon pouvoir de réserver ah, une tuile. Qu'est-ce que tu as réservé? Une carte. Laquelle? Bah, j'hésite. Non, Yann. Si t'hésites, est-ce que ça vaut bien la peine de faire cette réservation? Non, mais il ne va pas hésiter longtemps. Visiblement, il y en a une qui intéresse Marion. Il y en a 2 qui m'intéressent. Oh, pardon, j'ai Il y en a peut-être même 3 qui m'intéressent. Bon, bah ça va. Il y aura en fait, que y du... y en a trop. Mais il y en a. Si je prends celle qui m'intéresse le plus, je ne sais pas. Tu vas chouiner. Mmh. Bien sûr. Bien c'est sûr. Quoi que t'as, toi t'as attention, parce qu'à ce qui paraît, quand je chouine pendant la partie, je gagne à la fin. Du rouge. Alors, c'est vrai, hein, c'est réel ça. Du vert. Allez, je réserve celle-ci. On a tous toutes les. Vraiment, Yann?
D'accord. C'est la seule qui t'intéressait pas? Bah oui. Oui. Bah écoute, je vais prendre robustesse parce qu'elle a donné un peu plus de points que l'autre. Qu'est-ce que c'est ça? Au moment du décompte final, obtenez autant de points qu'indiqués par votre cube sur votre piste ingénierie. Attention. Hein, toi, ça gagner... peut être sympa. Ouais, je peux gagner 5 points. Moi, je peux gagner 3 points. Attention. Ok. Je vais prendre... Plouf, plouf. 1 ou 2, 3 ou 4. Dites un chiffre. 4. Je sais pas ce qu'elle fait. Bah en fait tu prenais, tu me disais un chiffre impair, je prenais celle-là, tu me disais un chiffre pair, je prenais celle-là. Ah d'accord, ok. Il y a de la stratégie, hein, il y a de la stratégie. Ça marche Marion, je me mets là. J'ai donc pas les 3 points machin. Mais t'as 3 points quand même. Exactement, plus attention, il est où mon truc? Il est là. 1, 2, 3. Ah je suis si avancée. Ah je voyais plus mon truc. Et 2 pour toi Yann. Yes. Et Bibi dans toute cette histoire. Hein. Eh ben, elle fait ses points dans son coin. Hein? Commence pas. Allez. Ok, tiens, t'as une petite bête de somme là. Ok, non. Attendez, on se calme. On se calme. Elle va se mettre là pour avancer deux sur sa piste d'ingénierie. Calme. Parce que je me disais que plein de choses pouvaient être intéressantes. Et en même temps, pas tant. Parce que ça, ça me donne 2 points. Ça me fait éventuellement... Ah. Alors attendez, parce que si je me mets là, ça me fait 2 points, ça me fait... Ouais, ok, éventuellement. On va se le tenter comme ça, comme ça, ça... Ah ouais, 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 on va... Oui, 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 en fait, très bien. Donc je vais me mettre là, les gars. Ok. Ok, tu fais double piste. Je fais double piste. Tu t'en fous. T'as bon, jamais joué dessus, t'as égalité avec moi. Bah oui, mais deux. Parce que je faisais ça pour t'empêcher. 5. Donc 5 points pour Yann, parce que j'ai envie de donner 5 points à Yann. Quoi? Ah non, attends, quoi? Non, pas du tout, j'ai rien dit. Ah, tu l'as non, dit? Non, 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 non. C'est 5 points à Marion, pardon. Et 2 pour toi, et j'ai avancé. 2 pour moi, et 1 point parce que... Et 1 point, parce que désolé, t'es en dessous. Désolée Yann, je t'ai fait un espoir. Oh, le faux espoir. Oh, c'est méchant ça. C'était un peu mesquin, mais c'était pas voulu. Alors moi, je suis obligée de jouer ma super carte que j'ai réservée, parce que c'est comme ça. Parce que tu peux la jouer, exactement. Non, t'es pas obligée de la poser tout de suite. C'est, si vous pouvez la jouer, vous êtes obligée. Vous devrez la prendre lors de votre prochain tour. Je croyais que t'avais dit à vos prochains tours. Non. Votre. Et du coup, je vais me mettre... Je vais claquer celle-ci, qui fait 3 points au lieu d'un quand je pose sur des... Allez, 9 points, 3, 6, 9. What? Ça revient, ça revient. Hop là. Tu et colles à Lorraine. Je gagne un petit point d'ingénierie. Exactement. Voilà. Ben moi, je vais prendre ceci. Est-ce que je prends... Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Du bleu. Je sculpte. Ça, parce que moi, on me dit oui, l'architecture, t'es pas trop sur l'architecture. Non, mais en tout cas, comment vous faites pour pouvoir avoir des blocs? Ben, vous faites pas sans moi, en fait. Ouais, ça, on fait donc, pas, je me mets là. J'avance de 1 sur la piste d'ingénierie. J'avance de 2. Ouais, pour tes soutiens. 1, 2. Let's go. Je sais exactement ce que je fais. Je prends cette bestiole, là. Ah, oh là là. La bête. Ah, mais tu voulais la bête. La bête. Je me fais 2 points. S'il vous plaît. Plus 2 points parce qu'on complète un carré. Ah et 5 oui. points pour Marion. Oh, merci Lorraine. Un plaisir. Je complète je suis à 101. 2 lignes pour le plus grand bonheur de Yann. Yann. Let's go. Non, mais rien que pour ça. J'adore. Et je veux bien une tuile. S'il vous plaît. Oui, là, pardon. Parfait. Attendez, mais j'ai plus qu'un joueur. Bah oui, un tour à jouer. Allez, je prends celle-ci, moi. On va la mettre comme ça. D'accord, Marion? T'en as combien, là? Bon, j'en ai 4, et toi? 4. 4, hein. On est d'accord. Je vais me mettre ici. Let's go, les 5 points. Alors, ici, je vais gagner 5 et Marion 2. Ouais. Là, je gagne rien. Enfin, si, tu gagnes 2 points et moi 5. 2 et toi 5. Ça fait combien, 63? Je complète 2 lignes. J'arrive au pied du palier 8. 1, 2, 3, 4, 5, 82. Wouhou! Il faut la remettre là. Ah. Et ensuite, il faut que je mette... Les deux derniers. Les deux dernières tuiles.
Voilà, et on doit se débrouiller avec ces quatre magnifiques cartes. Oui, mais donc, si écoute, ça correspond, c'est pas, parfait. Mais si ça correspond, ça correspond parfaitement. C'est à mon tour. Yann, Lorraine. Oui. On est d'accord, tu vas prendre la carte ingénieur, si je te la laisse. Hop, hop, hop. Je sais pas. Vous êtes déjà bien en tête, là, toutes les deux, là. Écoute, il faut savoir jouer avec ces cartes. Honnêtement, tout est bien pour moi. Là, je ne suis que joie par rapport à cette sélection. Non, en vrai, pas totalement. Non, mais... Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, ça dépend. Si tu m'avais dit que tu aurais pris la carte ingénieur, ouais, j'aurais pris la main d'œuvre. Parce ouais, que je savais que j'étais en majorité. D'accord. Ah oui. Yann sera en majorité. Oui, c'est exact. Allez. Ça souffle. Oui, ça souffle. Hein. Je me mets là et j'ai 2 points. Yes. Ok, let's go. Je prends en effet l'ingénieur. Comme ça, Yann ne l'aura pas aussi. Hein. Là, j'imagine une enfure, c'est horrible. J'ai 2 points. Non, mais il a quand même la main d'œuvre, c'est ça qui est... Oui. T'as 2 points, pardon. 1, 2. C'est tout ce qui se passe. C'est bon ? Oh, pardon, oui. Ok. Hop, bah oui, je vais prendre la main d'œuvre. Mais ça te fait quand même 2 points par carte, hein, c'est pas rien. Oui, bah j'en ai que 3 des cartes. Hein. Non, par symbole, t'en as 4. Hein ? Par symbole ? 1, 2, 3, 4. Tous les autres 2 points... Ah non, par carte violette. Par carte. Et c'est considéré comme une carte c'est violette, c'est considéré comme une carte, mon ancêtre. C'était ça la question. Ça, c'est comme une carte. Ah bon ? Oui. Ou c'est pas que les symboles ? Oh non, on ça, marque des points. Ça ressemble des symboles. Hein. Non, c'est par le contraire. C'est on marque 1 point par symbole, par carte, pardon, correspondant au symbole. Ah, non, là, par exemple. Je parle de ça, moi. Quoi ? 2 points par carte violette. Oui, oui. Et bah, t'as, c'est juste t'as mis tes 2 points de. Non, non, j'ai juste posé mon truc parce qu'on m'a dit de poser mon une attaque en premier. Donc je le fais. Voilà, c'est mon dernier nune attack, donc je l'applique. Profite. Hein. Ouais. Et ensuite, je gagne 5 points. Pourquoi 5 ? Non. Non, je t'ai avancé les deux de. Non, sport. Je pensais avoir fait un carré. Non, non, mais là, le carré là. J'ai un doute maintenant. Je crois que le carré là, il. Non, le carré là, tu scores pas, c'est le truc là. Je vais juste vérifier. Donc moi, bien sûr, et je prends. Par contre, en je prends 2-2 mes lignes là. Non. Ici, on ne score pas à l'impiège. Comment ça, on ne score pas et je la prends au dernier tour. Non, je l'ai dit. Hein. Tu l'as dit au début. Je l'ai dit, j'ai dit la dernière, le dernier étage. On ne fait pas les lignes. Et moi, j'avance de 2. 1, 2. Donc, je voulais juste vérifier parce qu'en effet, je ne me souviens plus. Un jeton 100 points. Un jeton 100 points. Mais je l'ai là. Oh, je ne l'avais pas vu. Bah, quand je suis passée à 101, je l'ai pris, voyons. Oh, pardon. Non, je voulais juste vérifier à ce moment-là parce que oui, est-ce qu'on va mettre le carré de points du sample. Je pense que. Je sais pas. Le carré complété. Celui ou celle qui a placé le plus de blocs, nana, en cas d'égalité. Il me semble, en lisant vite la règle, qu'on fait le point du carré. Ouais. Mais que, comme tu es, il faudra vérifier. Si tu es en majorité, c'est toi qui aura le. Ouais. Les 7 points, quoi. Donc, ici, oui, voilà. Donc, j'ai 5 c'est points. Marion qui a 5 points et nous avons 1 point chacun. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça 1, fait beaucoup. 2, 3, ça 4, fait beaucoup là, non 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, mais attends, on les a pas on a compté si, si, celui-là. Si, tu l'as compté, celui du. Oh, pétard. Je suis devant. Attends, je me suis battu aussi. C'est quoi ce vince je voudrais juste. Il y avait pas de temps, il y avait que Marion. Est-ce que je l'ai compté celui-là ? T'as tout compté. J'ai tout compté. 1, bah, 2, comptez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oula, 9, attends, tu... 10, 11, tu raté, là. 12, 13, 14, 15. Purée et voilà. Mais Yann. Allez. Donc Yann, t'es bien à 16. 7 points pour Yann. Ah. 90, et t'as le plaisir, tu déplaces et c'est toi Lorraine. Qui pose, en effet, ah oui, alors... cette magnifique, voilà, élément. Exactement. Waouh, regardez, on peut être fiers de nous, c'est beau.
Ok, bah je suis neg parce que je comptais sur ces 7 points. Ah. Mais peut-être que j'en aurais pas besoin. Non, peut-être que je sais pas. Ça en vrai, je sais pas trop. Ok, on compte les points. Oh, c'est nul. Comment on fait? On fait chacun notre tour. On va prendre la majorité. Ouais. Okay. Donc toi, t'es en majorité, t'as 20 points. Allez. Tu me les mets. Tu passes à 110, monsieur. Allez, je voudrais. Et nous avons 2 points par carte. 2, 4, 6. Et moi, j'ai 4 points. 2, 4, 6 et toi, 4. Ah, mais moi, je suis loin derrière, hein, purée. Sculpteur. Oui. Donc, oui. En fait, les ancêtres, ça nous donne des points. Ça par donne des symboles, mais pas des cartes. Non, ça te donne pas de symboles. C'est juste que ça te dit que tu vas compter autant de points que tu as de cartes. En gros, là, j'ai pas de cartes. C'est symbole. Mais ben, en fait, le truc, c'est que ça, j'aurais été en majorité. Oui, mais non, parce que c'est pas ça. C'est le contraire. C'est-à-dire que tu, là, ça va te permettre d'avoir 2 points. Ça te permet d'avoir 3 points. D'accord. Ça te permet d'avoir 3 points. Ça te permet d'avoir 1 point. Je re-score. 1 point. Bah, tu rescores pas. C'est-à-dire que tu as 1 point. Pas du tout compris comme ça. Par carte. Bah, c'est ça, non? Si, si, oui, je vois ce que c'est écrit. Ah oui, écrit par carte, c'est du symbole qui correspond à. Je l'ai. Exactement. D'accord. Ok, je l'avais pas du tout compris plus comme ça. Donc les on vient de faire les majorités sur les mains d'œuvre. Maintenant, les bleus. Sculpteur de glace. Ça, c'est une sculpteuse. Hein. Combien? Est-ce 10. Que vous connaissez cette sculpteuse? 9. Quelle enflure, celle-ci. 63. Elle fait ouin, 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 les 45 points de Lorraine, blablabla. Bla, 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 bla. T'as plus que 45, t'as 50 points elle déjà. Elle se fait 63 points. Non, mais on n'en parle pas assez 10, de cette histoire. Hein. 20, 30, 40... Elle va prendre 50, le 200, là. 60. 63. Alors que moi, j'ai bientôt. Donc, moi, j'ai 7 pauvres points. Et Yann, c'est pareil. On fait pitié. 7, 2, moi, j'ai toujours 4, pas 100 points. 6, 6. Et Marion, elle a bientôt 200 points. Non, mais... Parfait. Voilà, quoi. Oh, c'est va. Pas grave. C'est pas grave. Mon attends, ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Artisan. Combien est-ce que vous avez d'artisans pareils, pardon. T'as vu? J'ai déjoué tes plans. J'ai personnellement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Yann a compté pour moi les points et je l'en remercie infiniment. Pour ça, je lui donnerai, je pense, à la fin, généreusement, 5 points. Moi, j'ai un slot. Donc, j'ai 10 donc, points. Ouais. Plus, j'ai 2 cordes, ce qui me fait 3 points supplémentaires. Donc, ça me fait 13 points. 13 points. T'es où? T'es là. Ça paye pas beaucoup. 1, 2, 3. Ça y est, elle est à 109. Tiens. Tu veux dire que t'as une combinaison par split, c'est ça? Ouais. Quand t'as les mêmes, oui. Toi, t'as 10 points. 10 points. Ouais. T'es là. T'as 127. Et moi, j'ai rien. Ah, au niveau des bêtes, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Alors, les bestioles, ça, c'est mon moment. Attends, ça va aller rapide. J'ai 1 point. Ok. Et toi, Yann, t'as 2 points. Et Yann, il a 2 points. Vas-y, deux faut que t'avances. Alors que moi, j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est facile. Fois 10 6, fois 1, 60 2, 3, 4, 5, 6, 60. Oh là là, points. Elle a 69 là. Mais c'est tout. Ce ça, tour de piste là de ouais, Lorraine. C'est tout. Oh là en là. Fait. Attends, on va juste le refaire beau. Lorraine, elle est passée de là et elle fait. Oui, spectaculaire. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Je casse tout. Ensuite, les ingénieurs, Yann, c'est ton moment. Les ingés. Bah, attends, c'est mon moment aussi. 3 oui, fois c'est 6. Vrai. T'as 10. Toi, t'as 18. J'ai 3 fois 7. Donc, désolé, ah, 3 mais fois 7, ça fait plus. Quand même 21. C'est mon ah, moment. Il y a 7 juste en dessous. J'ai 35 points. Hein, vous emballez pas. Hein. Bah, c'est bien, Yann. Lorraine me vous dépasse. Vous avez fait 60 et 60, j'ai 35. T'as combien? 35. Pour le moment de Yann, c'est vrai que ça fait 2 fois moins que nous, quoi. 64. Okay. Ok. Et donc cette histoire d'ancêtre. Alors, donc vous allez compter vos cartes. Des autant. Moi, il m'en fallait celle-là, moi. T'as vu la là, bleue que j'aurais eue. Donc, toi, t'as 2 points. Non, deux j'ai 2, 3, 4, 5. Un par carte. Ah, et oui, et moi j'ai ça aussi. Ah oui, c'est vrai, t'as ça. Et toutes les cartes que vous n'avez pas utilisées, mais bon, je pense qu'on les a tous utilisées, nos cartes ancêtres. Oui. Ouais. Ok, moi j'ai compté tous mes symboles, enfin toutes les cartes que j'avais. Le symbole ancêtre, j'ai rien. Le symbole bête, j'en ai une. Il est où mon point?
Il est où mon point? Le symbole bête, j'en ai un. Le symbole là, j'en ai trois. 1, 2, 3. Le symbole ancêtre, j'en ai 2. 1, 2. Le symbole là, j'en ai 2. 1, 2. Ok. Maintenant, on gagne 10 points par combinaison totale qu'on a. Ah oui, c'est vrai. J'en ai pas. Moi, j'ai 20. Ah. 82. Oh. Ah non, ben non, oui, j'ai qu'une carte en 7. Donc, j'ai 10 points. Quoi? T'as 10? J'ai qu'une seule carte en 7. Ah, pour faire ta ligne, oui. Ouais. Donc, j'ai pas 20 points. J'ai cru que j'avais 20 points. T'as 205, madame. Let's go. Allez, les 200 points. Hop là. Et alors, attendez, il nous reste la carte... Non, je la score pas. J'ai pas de carte ingénieur. Ah, donc je vous lamine, en fait. Voilà, il reste... Attendez, attendez. Mais non, on l'a mis tes points. Ah, tu as mis 7 points dès le départ. Oh, Yann. Désolée. Ah, c'est triste. C'est très triste. Mais attendez, c'est encore mon moment. Vas-y. Attends, Marion m'a accordé 5 points tout à l'heure. Vas-y, je vais redescendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu m'as pas dit que tu me donnais 1, 2, 3, 4, 5. Je sais plus. Fait, ça. Je lui ai dit généreusement que tu as 5 points. Un différentiel. Quoi, mais n'importe quoi. Non, mais moi, j'ai envie de gagner normalement, dignement. En vas-y, fait. Quoi qu'il arrive, et t'as pas gagné. Parce que vous faites des magouilles bizarres que vous réinventez les règles. Ça n'existe pas dans le jeu. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai la carte faveur de stabilité parce que je suis une personne extrêmement stable. Au moment du décompte final, gagnez 2 points pour chacun de vos blocs placés sur des dalles aux angles. 12 points, madame. 12 points ! C'est énorme ! 17. J'ai 217 points. Ouais, c'est pas toi qui as gagné. Ah non, c'était sûr. Savais, il fallait que tu gagnes pas. Voilà, exactement. On m'a dit, pour rester chez Yellow, faut que tu ne gagnes pas à non-attaque. Oh, ça va. J'avoue, je pensais pas que j'allais... Gagner. Si, bah t'avais enfin, plein. Si, il y avait plein de trucs. Un peu, mais quand on a commencé à compter les points, je me suis dit non, en fait. Voilà, félicitations, Lorraine. Oh, merci, merci. Écoutez, j'ai la victoire. Que je mérite. Non, j'ai la victoire humble, donc je suis fière et heureuse d'avoir joué avec vous. Ah, c'était un honneur. C'est vrai. De partager cette partie. Ah, bah tout pareil. Victoire modeste, exactement, c'est tout moi. Ben voilà, c'était Nune Attack. Donc Nune Attack, c'est un jeu qui se joue, il y a une version solo, donc qui se joue de 1 à 4 à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Je pense qu'on respecte à peu près le timing. Parce qu'il y a eu l'explication de règles, Yann. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Cependant, c'était pas ça qui était dit. C'était une heure. Oh, mais oui, mais une heure de bonheur. Ah oui. Un peu plus d'une heure de bonheur, finalement. Voilà. C'est un jeu de Kane Klenko et ça sort le 27 septembre. Voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir joué. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu et que vous avez une bonne connaissance maintenant du jeu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un live sur Spots ou encore. On va encore rigoler. On va bien s'amuser. Ouais, on va lancer les dés cette fois-ci. On va lancer des dés. Et puis en effet, sur les toutous. Bon appétit à tous. À bientôt pour de nouveaux lives, de nouvelles vidéos et de nouveaux jeux. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut.